إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيشاكنا إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons avec explication. Nous accueillons à Allah subhanahu wa ta'ala. Et toujours nous pouvons apprendre concernant l'importance et vertu des tawhid. Alors parmi les points qui montrent nous l'importance tawhid dans la vie d'un musulman, c'est tawhid, c'est ça même message et da'wa principale de tout bon prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie l'eau salatée à la. Et comment nous connaît Allah subhanahu wa ta'ala le fin envoie beaucoup et beaucoup prophètes l'eau salatée à la. 124 000 prophètes. Alors, pays n'a aucun prophète qui fin vine l'eau la terre Allah subhanahu wa ta'ala excepté que le message principal de ce da'wa c'est pour inviter le monde vers tawhid. Invite le monde pour adorer aussi Allah subhanahu wa ta'ala et n'a pas adoré les autres apôtres Allah Rabbul Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala, les causes concernant le prophète qui l'a envoyé, qualifié dans surah 35, verset 24, Inna arsalna kabil haqqi bashiran wa navira. Certainement, nous finissons envoyé toi avec la vérité comme un qui donne la bonne nouvelle et un qui avertit le monde. وَإِمْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَذِيرٍ et pays n'a aucun peuple excepté qui finit un avertisseur parmi banna. Et pays n'a aucun peuple qui finit existe au salatéla excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit envoie une personne pour avertir banna. C'est-à-dire qu'il finit envoie vers banna un prophète. Et Allah subhanahu wa ta'ala les causes concernant mission des bons prophètes لتيادة سورة 16 verset 36 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ لتيادة certainement nous fin envoyer de chaque peuple un messager avec qui message أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ c'est-à-dire pour inviter ben Jimon pour faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala pour éviter et pour restreindre des طَاغُوتَ et comment nous finir à prendre طَاغُوتَ c'est tout ce qui est adoré à part Allah, Azza wa Jal. Il n'y a pas aucun prophète, basé sur l'ayat Coran, il n'y a aucun prophète qui fait venir au salat, excepté qui, je fais invite, ben Jimon, pour adorer Allah, pour faire ibadat, juste pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et pour ne pas associer personne, n'a pas adoré ben les autres, ensemble avec Allah, Azza wa Jal. Et, ça montre nous l'importance du tawhid et qui en vérité, comme nous venons d'apprendre hier, c'est ça même l'objectif principal qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fin créer l'insan. C'est pour qu'insan adore, à cause ça même, tout prophète qui fin venir, fin invite l'insan vers l'adoration Allah subhanahu wa ta'ala tout seul et fin combattre ben, les autres adorations en portant Allah azza wa jal. Et ben le prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin envoyé, nous dit ça c'est mission principale pour sa ben prophète là. Mais en ce qui concerne ben les autres la loi, en ce qui concerne ben les autres la loi, ça différents prophètes différents la loi. C'est-à-dire différents prophètes pas nécessaire que chaque prophète fin vienne avec même la loi. Mais différents prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala les fin descend différents la loi. Par exemple, façon faire salade, façon garder rosa, pas nécessaire, tout bon prophète, je te fais invite pour garder rosa comme une obligation dans les mois de Ramadan. Alors, en ce qui concerne ben, la loi, ça, chaque prophète, je tiens à je propre la loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala révèle à eux. Mais seulement en ce qui concerne adoration Allah subhanahu wa ta'ala, ça, pays n'a aucune différence entre les prophètes. C'est-à-dire tout prophète fin venir
fin invite pour adoser Allah subhanahu wa ta'ala. Pena, si pas un prophète fin vini fin dire, un fin dire ado la ligne, un autre vini dire ado soleil, un autre vini dire ado rose, un autre vini dire ado djimoun mo, un autre vini dire ado djinn, ado ange, pas existe. Tout prophète qui fin vini ou la terre, zot fin vini avec sa mission à point vite djimoun pour adoser Allah et pour recevoir de tout ban les autres adorations à porte Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lit la surah 21 verset 25 wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Lit ya ne pas fin envoyer aucun messager avant toi, c'était avant rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, excepté qu'il nous fin révèle à sa messager là pas il n'a aucun ilah à porte. C'est-à-dire que la personne qui mérite une vraie adoration à porte Allah subhanahu wa ta'ala fa'abudun, alors faire mon ibadat, c'est-à-dire faire ibadat Allah azza wa ta'ala. Tout prophète fin vient avec sa même message pour adoser Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa ta'ala lui dit dans surah 43 verset 45 was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min duni ar-rahmani alihatan yu'badun. Lui dit Allah subhanahu wa ta'ala adresse à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui dit oh prophète sallallahu alayhi wa sallam, demande-nous ban messager qui nous fin envoyer avant toi. Est-ce qu'il nous fin désigne ban ilah qui peut être adoré à porte ar-Rahman? Et il n'y a aucun messager qui fin venir, qui fin invite vers adoration de ban les autres à porte Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala basal ou saban preuve que nous fin fait mentionner là tout prophète rend concerné là-dedans. Et tout prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin envoyé zot fin vin avec sa da'wa là pour inviter le monde vers adoration Allah subhanahu wa ta'ala pour combattre les contraires, c'est-à-dire pour combattre. Et dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala quand il mentionne l'exemple de certains bons prophètes, en particulier, Allah subhanahu wa ta'ala dit toujours, mettre l'emphase là, là qui s'abat le prophète là, je fin vin, pour inviter ban djemoun vers adoration, zis Allah subhanahu wa ta'ala, et qui pour combattre ban les autres adorations apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, dans surah 7, verset 59, Allah subhanahu wa ta'ala dit, لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لذلك certainement nous fin envoyer Nuh alayhi salam vers son peuple. Alors il te dit ô mon peuple, adore Allah, c'est-à-dire adorez Allah, car ما لكم من إله غيره, car je n'ai pas une aucun ilah à part. C'est-à-dire qu'il y a des choses que probablement les autres ilah à part Allah et qui bisa adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh alayhi salam, le message principal de son dawa, c'est l'invitation vers Tawhid. Comme ça même Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 7, verset 65. Wa ila adin akhahum huda. Et vers peuple Ad, nous fin envoyer notre frère Hud alayhi salam. Qala ya qawm i'budu Allah ma lakum min ilahin ghayru. Alors, qui d'awa qui fin faire? L'inja, oh mon peuple, ado Allah, c'est-à-dire ado aussi Allah, quand je ne pas, il n'a aucun ilah, apporte, c'est-à-dire apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala cause concernant le prophète Salih alayhi salam, quand il dit, wa ila thamud akhahum saliha. Et vers thamud, nous fin envoyer, notre frère Salih alayhi salam, قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. Alors Salih alayhi salam fin dit à son peuple, oh mon peuple, adore Allah, adore Allah, car je ne paye aucun ilah, je ne paye pas adorer personne à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même Allah azza wa ta'ala dit concernant Shu'aib alayhi salam, toujours dans surah 7 verset 85, wa ila madyana akhahum Shu'aiba. Et vers Madian, nous finons envoyer, et sa peuple Madiana, nous finons envoyer son frère Shu'aib. Qala ya qawmi i'budullah. Alors les finis disent, oh mon peuple, adore Allah, et adorez Allah subhanahu wa ta'ala. Ma lakum min ilahin ghayru. Qui arrive, je peux prendre les autres ilahs à porte Allah, et je peux prendre les autres ilahs pour adorer à porte Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, n'importe qui s'en a.
qui méditent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, qui remplit avec la vie des man, prophète, sa réalité là, c'est une réalité qui est trop claire. Nous prenons, par exemple, Youssouf alayhi salam, quand les fins, maintenant, ils mettent dans la prison, il y a deux personnes qui finiront ensemble avec lui. Youssouf alayhi salam, quand Banna Pedi Ali, qui ont fait faire un rêve, ça deux personnes ont fait faire un rêve, c'est-à-dire donne une autre interprétation de sa preuve. Il y a sur Youssouf une chose qui est trop claire. Youssouf alayhi salam, il profite de cette occasion-là pour faire aux autres comprendre qu'ils ont fait. Est-ce qu'il fait dire aux autres interprétation. Est-ce qu'il finit en forme d'autres interprétations des autres rêves? De suite, non. Mais Youssouf alayhi salam, vu qu'il y a un prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie pour réaliser une mission, et mission principale, c'est l'invitation vers Tawhid. Youssouf alayhi salam, qui dit à Banna? Il finit à Banna, Ya Sahibai Sidni, ô mon deux compagnons de prison, Arbab Mutafarriquna Khairun, est-ce qu'il ban les autres Rab? Et pas oublier, est-ce qu'il y a les autres qui disent qu'ils adorent à part Allah subhanahu wa ta'ala? Mais hier, on vient Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les tout seuls qui disent adorer. Et parmi l'exemple encore, Isa alayhi salam, Jésus, qui, dès nos jours, il a dit qu'il prend lui-même comme il a. Il a dit qu'il adore. Piado Zézi, Piado Isa alayhi salam. Alors, question qui nous pose, est-ce que l'Irifin invite Bandimoun vers sa propre adoration, ou bien Isa alayhi salam, étant un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa da'wa, sa mission, c'était invite Dimoun pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, les causes concernant Isa alayhi salam dans le Coran, dans Surah Al-Ma'ida, verset 72, Allah dit wa qala al masih ya bani Israël. Et Isa alayhi salam lui fin dit oh banu Israël, oh peuple Israël, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Ado Allah, murab et zutrab. Ado Allah, murab et zutrab. Ado Isa alayhi salam, qui se dawa? C'est l'invite de mon fado Allah, surab, et ben de mon lazot, zotrab. Ensuite, c'est lui-même qui dit Innahuma yushrik billah. Certainement, c'est lui qui est associé ensemble avec Allah. C'est lui qui fait shirk avec Allah. Faqad harram Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu al-nar. Allah subhanahu wa ta'ala fin fait jannat bin haram l'ouli. Et sa destination, c'est l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant Isa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit toujours dans surah Al-Ma'ida, verset 116 et 117, « Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam » et qu'Allah subhanahu wa ta'ala puja avec Isa, le fils de Maryam, « A anta qulta linnas ittakhidhuni wa ummiya ilahayni min dunillah » Allah subhanahu wa ta'ala zu qiyama pour demander « Oh Isa » Oh Isa, fils de Maryam, est-ce que c'est toi qui finis à Bandimoun pour prendre toi et ton maman comme des ilahs à part Allah? Est-ce que toi qui finis à Bandimoun pour adorer toi et pour adorer ton maman, Maryam, et Marie? Qala subhanak. Isa alayhi salam pour dire piété à toi, oh Allah. Ma yakounu li an akoula ma laysa li bihaq. Mon pas un droit pour me dire quelque chose qui n'est pas fin. Permette-moi pour me dire. In kuntu qultuhum faqad alimta. Si mon fin diali, certainement toi tu peux connaître. Ta'alamu ma fi nafsi wa la alamu ma fi nafsi. Tu connais ce qu'il y a dans moi et moi pas connais ce qu'il y a dans toi. Innaka anta allamu al-ghuyub. Certainement toi c'est celui qui connaît l'invisible. Ensuite, Isa alayhi salam pour dire avec Allah subhanahu wa ta'ala, ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Mon n'a pas fin dire, ben accepter ce que toi tu fin ordonne-moi. Pour dire aux autres, qui a fait ça? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Pour adorer Allah, mon rab et autres. Alors ça, n'importe qui s'en a.
Il peut retourner vers le Coran, il peut retourner vers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il peut étudier la vie des bons prophètes, des beaux qui en vérité, peinent aucun prophète, excepté qu'ils viennent faire ça comme dawa principale, comme mission principale, c'est pour inviter les gens vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et ils ont combat ben les autres adorations apportent Allah subhanahu wa ta'ala. Qui vient? Parce que c'est ça l'objectif pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala fin créer nous, fin avoir nous la terre. Et qui nous succède à l'akhirat, il dépend nous, il dépend nous là-même. En cause même, ben prophète, fin faire ça, vin, et dawa principale, mission principale des autres dawa. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala, le fin envoie ben prophète, et le fin donne autres comme mission principale, pour inviter tout le monde vers l'adoration, Allah tout seul, alors comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala, le fait nous connaître, qui ben livre qui le fin descend, bal livre qui le fin envoie via sa bal messager là, sa bal livre là aussi, je ayant comme message principal, c'est ça même l'aspect là. C'est-à-dire, vu que ban prophète il a comme mission principale pour inviter le monde vers l'adoration à Allah, alors on peut la doute qui, dans ban livre qui Allah subhanahu wa ta'ala fin fait descendre, raison qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fin fait descendre sa bal livre là, ou bien message principal qui est dans sa bal livre là, c'est l'invitation vers Tawhid, l'invitation vers l'adoration à Allah, subhanahu wa ta'ala, tout seul, et pour combattre le shirk, comme nous finissons par hier, concernant le Coran, qui le Coran entier, comme Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ta'ala, le dit, le Coran entier, c'est l'invitation vers Tawhid. Alors Allah, subhanahu wa ta'ala, le dit, dans Surah 16, deuxième verset, Yunassilu al-Malaikata bi ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadi. Li, c'est-à-dire Allah, li fait ban ans, descend avec inspiration de solod, à celui qu'Allah li oulé parmi son ban serviteur, avec les messages, qui message, an anziru, annahu la ilaha illa ana fattakoun. Avec-y, ban djemoun qui pas et n'a aucun ila, ben personne qui mérite une vraie adoration, excepté moi, c'est-à-dire Allah, alougay taqwa pour moi, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant le Coran, dans Surah 11, premier et deuxième verset, Alif Lam Ra, Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra, ça c'est un livre qui, sur un verset, finit perfectionné et ensuite finit expliqué depuis un hakim. Depuis un hakim, c'est celui qui possède hikmah, celui qui fait un kisso basal ou sagesse. Et Khabir, c'est celui qui possède toute bonne information. Allah ta'aboudou. Ce livre-là, qui message principal est là-dedans. Allah ta'aboudou illallah, innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Pour qu'ils ne soient pas ado, pour qu'ils ne soient pas fait ibadat, excepté pour Allah subhanahu wa ta'ala, et qui certainement moi, c'est-à-dire Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, m'oppose un avertisseur et un qui donne la bonne nouvelle depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous concernant la parole des bandits. Quand je t'écoute le Coran, depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je te dis, dans Surah Jin, dans Surah 72, premier et deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Qul uhiya ilayya. Dis, le haut Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis, bandits, on informe banna, qui finit révélé à moi, annahu stama'a nafarun min al-jin, qui est un groupe parmi bandits, finit écoute le Coran. Alors, faqalu, sabalna, banjin, après que je finis écoute le Coran, qu'ils ont dit, faqalu, inna sami'na, Quranan ajaban, yahdi ila rushd. Balna fin dit, certainement, nous fin, tan en Coran, réelle lecture, merveilleuse, yahdi ila rushd, liguide vers la droiture, fa amanna bihi, wala nushrika bi rabbina ahada. Alors, nous finissons iman de sa livre-là, et nous pas pour associer personne avec nous, Rab. Banjin, je dis, nous amène iman de sa livre-là et qui nous pas pour faire shirk avec Allah, nous pas pour associer personne ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait son dire parole comme ça? Qui fait, après qu'ils ont fini écoute lecture Coran, depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je dis, qui nous pas pour associer personne avec nous, Rab, parce que ça même message principal qui n'a dans Coran. Et quand on écoute sa lecture Coran là, depuis nous rassemblons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça le message principal que je fais comprendre depuis le Coran, depuis la lecture du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est bizarre d'oser Allah subhanahu wa ta'ala tout seul, il ne faudrait pas adorer les autres apôtres, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comme ça même,
Chers frères et sœurs, Kéraïman, si nous pouvons comprendre, pas aucun prophète qui finit venir la terre accepté, c'est ça. Son dawa principal, son mission principale, message qui tout dans le livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit révélé à un prophète, c'est ça message principal. Alors, qui nous dévoie nous envers ça l'aspect que nous finissons à apprendre qui est le plus important, c'est ça même base de nous dire, alors nous aussi, nous visons faire un effort qui nous dawa en entier. Et qui mission principale, l'aspect qui nous donne plus beaucoup d'importance dans nos dawa, c'est l'invitation vers Tawhid. Là, nous bisons apprendre concernant Tawhid, nous bisons toujours continuer. Invite Banjimoun vers Tawhid parce qu'il peine une mission qui est plus noble, qui invite Jimoun vers l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala tout seul, qu'Allah subhanahu wa ta'ala y aide nous tous pour nous engager. Dans sa da'wa là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait ça. Vin l'aspect plus important, tout l'état dans nos da'wa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne courage pour qu'il nous invite vers Tawhid et nous amène un combat contre l'adoration des bandes les autres. Apporte Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne pour tous nos bandes grands, nos bandes spécifiques qui nous fait. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu wa la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.